Je voulais me confronter un peu à la nature et elle m'a donné une bonne leçon. On est en 2009, je travaille comme sous-chef dans un grand palace parisien. J'ai cumulé beaucoup, beaucoup de vacances. À l'époque, je suis très inspiré par le film Into the Wild qui m'a vraiment profondément marqué et j'ai envie de me confronter à la nature et surtout aussi des questions que je me pose sur moi-même. J'ai 26 ans, j'ai encore beaucoup de choses et de questions qui demeurent et voilà, je décide de partir seul. Pas en Alaska comme le héros du film, mais j'avais aussi envie de découvrir un peu les parcs nationaux, notamment en Californie. Je sais qu'il y en a plein et j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis de ma vie. Je pars avec un sac à dos, trois caleçons, trois paires de chaussettes et je m'achète une paire de bottes à Bastille. Et voilà, ça commence comme ça. Donc je récupère le camping-car et tout de suite je vais dans le parc national Grand Canyon. Donc Grand Canyon, ça se passe super bien, je descends dedans. Je passe la plus grande partie de ce voyage sur la route. Progressivement, je continue mon périple. J'arrive jusqu'à Yosemite, à l'est de San Francisco. Et j'avais pour habitude chaque jour d'occuper mes journées à faire des randonnées. Et à Yosemite, on tombe vraiment sur des petites montagnes avec des vrais glaciers. Et après 2 heures de randonnée, je me retrouve carrément sur une sorte de petit lac. Il doit peut-être faire, je sais pas, 70 mètres de diamètre. Tout autour, c'est de la neige et de la glace. Et évidemment, mes bottes, là, elles n'avaient pas l'adhérence nécessaire. Et je suis tombé, en fait, dans ce lac en faisant une photo. Donc l'eau, elle est profonde jusque-là. Et évidemment, je suis congelé. J'ai de l'eau partout, dans les chaussures, dans le pantalon. Je suis congelé, c'est même presque paralysant, tellement c'est froid. Et de là où je suis tombé, je ne peux pas remonter. Je n'ai pas du tout d'accès à... Donc je suis obligé de traverser. C'est 50-70 mètres, je ne sais pas si à un moment ça va être plus profond. Je suis là, j'ai tellement froid, c'est horrible, je suis tout seul. Comble du truc un peu flippant, c'est que sur une partie de cette espèce de petit lac, il y avait des chutes. Alors, elles n'étaient pas très hautes, je me souviens, ça faisait peut-être 3-4 mètres. Mais quand même, il y avait vraiment de quoi se blesser. Et donc, je vais comme ça, là, et je suis envahi par le stress, c'est clair. J'entends le ruissellement de l'eau parce que c'est presque un torrent et je continue, je me prends des rochers, je tombe, mais bon bref, et je finis par péniblement atteindre l'autre rive. Donc je ressors et évidemment, j'ai mis 6 heures à retourner de l'autre côté pour redescendre à mon camping-car, trempé jusqu'à l'os. Je croise des gens, ils se demandent pourquoi je suis mouillé. Moi, je tire une tronche pas possible parce que en fait, je sais même pas où je suis, quoi. Je retrouve un sentier qui me dit rien évidemment puisque c'est pas le chemin que j'ai emprunté à l'aller, je redescends, je me perds, j'étais parti avec un seul jean, donc après j'ai fini tout mon périple en short, parce qu'évidemment avec un camping-car qui n'est pas hermétique, dans lequel il fait très froid, mon jean ne voulait plus sécher. Donc voilà, c'était un peu la catastrophe sur catastrophe. J'ai un super souvenir de ces vacances, un mois en autonomie, seul, face à ma solitude et à mon introspection personnelle. Ça m'a aussi poussé à aller vers les gens, à demander de l'aide, à être beaucoup plus sociable. C'est peut-être le voyage de ma vie, celui qui m'a fait aussi découvrir qui je suis aujourd'hui et qui m'a appris énormément, énormément sur moi.